bénissons, nous te rendons grâce pour le frère Marc que tu as appelé dans l'ordre des Dominicains. Merci pour sa présence ici ce soir. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint qui agit en lui, qui est à l'œuvre en lui, l'éclaire encore une fois ce soir pour l'enseignement qu'il va nous dispenser. Merci Esprit Saint pour ta présence dans la vie du frère Marc. Merci pour ton œuvre en lui. Merci pour le don d'enseignement de la prédication. Veuillez vous asseoir. Nous avons donc la joie d'accueillir le frère Marc, prêtre dominicain, et il va lui-même se présenter. Et merci d'avoir accepté de venir ce soir dans notre paroisse pour nous donner cet enseignement pour fortifier, rééquilibrer et donner au couple de continuer à avancer dans la joie, dans la joie. Et donc je lui laisse maintenant la parole. Pour vous, j'espère, de voir un visage découvert en face de vous. Je remercie beaucoup M. le curé pour ces mots d'accueil. Je bénis aussi la présence de l'Esprit Saint dans le cœur de chacun d'entre vous, parce qu'il est à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Je me présente très rapidement. Donc, je suis le frère Marc Millet et je suis de l'ordre des prêcheurs, frère de l'ordre des prêcheurs, appelé aussi dominicain, et je suis du couvent de Saint-Jacques à Paris. Je suis le sous-prieur du couvent, donc le numéro 2, celui qui sait tout et qui ne peut rien faire, donc c'est celui auquel on va parler évidemment. Et puis je fais de la recherche sur les manuscrits médiévaux, et en particulier je travaille à l'édition critique des œuvres de Saint Thomas d'Aquin. Alors à Senlis, il n'y a aucun manuscrit médiéval. J'ai vérifié avant de venir, je me suis dit je vais prolonger par une petite visite à la bibliothèque, mais il n'y a rien. Voilà. Je veux dire que je suis assez impressionné et embarrassé d'avoir vous parler ce soir. D'abord parce que je ne vous connais pas, et que sur le sujet que je voudrais partager, évoquer très simplement ce soir avec vous, vous auriez peut-être des choses à dire. Importante et fondamentale. Je suis aussi assez embarrassé parce que je vais vous parler de quelque chose que j'aime bien. Et vous le savez, quelque chose que l'on aime bien, il est toujours difficile d'en parler parce qu'on se sent un peu trop impliqué. Voilà, je vous propose de confier ce temps à la Vierge Marie, à sa prière, elle qui est présente au milieu de nous, qui formons comme un cénacle. Qui attendons sans cesse dans nos vies la réalisation de la promesse de vie que le Seigneur Jésus nous a faite. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous. J'ai choisi comme thème ce soir le rosaire, une prière biblique. Vous direz, vous êtes dominicain, donc le rosaire c'est un petit peu votre marque de fabrique, c'est vrai. Et le rosaire, vous savez que nous portons à notre côté, personnellement, je trouve que cela est assez bien parce que nous sommes plutôt un ordre intellectuel et il fait parfois bon de sentir à ses côtés cet objet de prière si simple
et si fondamental qui nous ramène à l'essentiel. J'essaierai de parler du rosaire d'abord en disant ce qu'il est, ce qui le compose. Il est biblique dans sa composition. Ensuite, j'essaierai de dire combien le rosaire est biblique dans l'expérience qu'il nous fait faire de la parole de Dieu. Le rosaire est une prière biblique. Biblique parce que les paroles dont nous nous servons, lorsque nous prions le chapelet, le rosaire, sont des paroles de la Bible. Le rosaire nous rappelle très simplement qu'au cœur de notre foi, il y a la parole de Dieu qui nous est adressée. Et qui nous est adressée non pas simplement pour nous informer, pour nous donner des explications, mais pour que nous nous glissions dans cette parole, pour qu'elle devienne nôtre. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit « Quand vous priez, dites. » C'est-à-dire que lorsque nous disons le Notre Père, lorsque nous prions avec le Notre Père, nous sommes en train de réaliser ce que Jésus veut que nous fassions, très simplement. Très simplement. Ce n'est pas simplement une prière que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qui vient de très loin, qui vient du cœur du Christ face à son Père, dans la lumière de l'Esprit. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples, est-il dit dans l'Évangile de Luc. Voilà que Jésus donne le Notre Père. Vous voyez, lorsque nous disons notre chapelet, lorsque nous disons une dizaine, nous commençons par cette prière fondamentale, fondatrice, la prière par excellence qu'est le Notre Père, qui vient du cœur même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient du cœur même de sa contemplation du dessein du Père de salut pour ce monde. Il nous donne ses vivres pour la route. Quand vous prierez, dites « Notre Père ». Voyez, notre rosaire, notre chapelet, est comme une liturgie de la parole, comme l'office divin, c'est-à-dire un lieu où se mêle à la fois la parole de Dieu adressée à son peuple, la voix de l'époux adressée à son épouse, l'Église, et la réponse aimante, croyante, du peuple de Dieu envers ce Dieu qui l'a suscité, cette réponse aimante et croyante de l'Église envers son époux. Et lorsque nous prions notre chapelet, notre rosaire, nous entrons dans ce mouvement dialogal qu'on aime à dire aujourd'hui, de la foi, de l'expérience de la foi. Un Dieu nous parle, notre Dieu nous parle et il veut que cette parole nous transforme, nous habite, à tel point que nous puissions user de cette parole pour lui répondre, pour lui parler. Et si nous en regardons bien, il en est de même pour les « Je vous salue Marie ». Parole de l'ange adressée à Marie. Parole d'admiration d'Élisabeth adressée à sa cousine qui vient la visiter. Et finalement, prière de l'Église qui reconnaît en Marie la Mère de Dieu, la vérité fondamentale de ce qu'elle est dans son être, Mère de Dieu. Et en même temps, celle qui accompagne le peuple croyant dans son entrée dans la Pâque du Seigneur, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous demandons à Marie que chacun des maintenant de notre vie soit des lieux où se réalise la Pâque du Seigneur, jusqu'au jour du grand maintenant, de la rencontre définitive avec notre Dieu, où nous espérons que ce salut
dont Marie est le témoin privilégié, s'accomplira en plénitude pour chacun d'entre nous. Chaque Je vous salue Marie est comme une liturgie de la parole. Une parole de Dieu que nous prenons à notre compte, que nous laissons résonner, et notre prière monte par elle vers notre Dieu. Voyez la dynamique de notre dizaine, de notre chapelet. Nous partons du Christ face au Père, rempli de l'Esprit Saint, livrant aux hommes cette nourriture, cette prière fondamentale, cette attitude de cœur qui est celle d'ici. Et tout au long des paroles que nous disons, nous continuons notre méditation. Le Verbe s'est fait chair en Marie, annonce la joie au monde dont Élisabeth en est comme la première réceptrice. Et voilà que nous demandons que ce dessein s'accomplisse en nous, accompagné par cette prière, présence aimante de Marie, dans tous les maintenant de notre existence, jusqu'au grand maintenant de la rencontre, où nous pourrons dire à Dieu, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, nous qui avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et qui sommes déjà transformés, travaillés par ce Dieu qui veut nous rendre ressemblants de lui. Lorsque tu pries ton chapelet, tu réalises un acte fondamental de foi. Tu es, d'une certaine manière, au cœur de ce que Dieu veut faire dans notre humanité. Nous le savons aussi, matériellement, dans notre chapelet, nous ne faisons pas que cela, vous le savez. Au fur et à mesure des dizaines, nous contemplons, nous sommes invités à contempler les mystères de la vie du Christ. Qu'est-ce que ces mystères? Ce n'est pas l'histoire de Jésus, la belle histoire de Jésus, non. C'est accueillir le rayonnement de grâce de chacun de ses actes. Tout ce que le Verbe fait chair a vécu, souffert, dit, tout cela est salutaire. Tout cela est là pour nous transformer, nous toucher, nous orienter vers ce Dieu qui nous veut comme ses enfants dans l'Esprit Saint. Et ainsi, au cœur de la prière du rosaire, il y a fondamentalement cette contemplation aimante du Seigneur. Il me semble qu'il y a une grande ambiguïté par rapport au chapelet ou au rosaire. Souvent on me dit, c'est une prière mariale, c'est de la dévotion mariale. Non. Au cœur du rosaire, au cœur de la prière de notre chapelet, au cœur de notre dizaine, qu'y a-t-il? Jésus. Jésus qui nous donne le Notre Père. Jésus dont nous prononçons le Saint Nom au cœur même de l'Ave Maria. Le Je vous salue Marie comme une sorte de chasse au cœur duquel il y a le nom de Jésus. Dans le cœur de Marie, qu'y a-t-il? Jésus. Dans le cœur du disciple que nous sommes, qu'y a-t-il? Jésus. Dans le cœur de notre rosaire, qu'y a-t-il? Jésus. Jésus contemplé, aimé, interrogé. Jésus que nous ne cessons de regarder avec Marie. Si nous la regardons très rapidement à travers l'Évangile, au début, à l'Annonciation, il y a elle et l'ange. Mais ensuite, à chaque fois que dans notre Évangile, jusqu'aux Actes des Apôtres, Marie va apparaître, quand il va être question d'elle, d'une manière ou d'une autre,
ce sera toujours en lien avec d'autres. D'autres disciples. Élisabeth d'abord, mais aussi Joseph à la Nativité, mais aussi les pasteurs et les anges, mais aussi les mages, mais aussi les docteurs de la loi, mais aussi la famille et les proches qui cherchent à voir Jésus, mais aussi les époux aux noces de Cana, mais aussi le disciple bien-aimé au pied de la croix, et finalement les apôtres attendant la réalisation de la promesse de Jésus, le don de l'Esprit-Saint. Je veux dire que ne nous y trompons pas. La mission de Marie, tout au long de l'Évangile, est d'accompagner les disciples. Qu'ils soient proches ou loin, qu'ils soient apôtres ou serviteurs, qu'ils soient des gens de sa famille qui n'ont pas très bien compris de quoi il s'agit, Marie est là. Non pas en face du disciple, mais avec lui. Dans le rosaire, nous prions l'Évangile avec Marie. Nous contemplons Jésus. Que faisons-nous lorsque nous lisons la Sainte Écriture? C'est le deuxième point. Vous voyez, le rosaire, la prière du chapelet, est né dans des milieux monastiques. Pour caricaturer à très grands traits, on pourrait dire qu'il y a deux choses fondamentales dans la vie monastique. Il y a d'un côté la prière commune, l'office divin, et puis il y a d'autre part la méditation assidue, répétée de la Sainte Écriture. Dans notre rosaire, il y a de cela. Notre rosaire est comme, je vous l'ai dit, une sorte de liturgie de la parole, une sorte d'office divin. Que fait-on? Il y a bien sûr des paroles, des mots, parfois difficiles à comprendre, à décortiquer, à voir ce que l'on a voulu vraiment dire dans ce texte. Un peu comme nos paroles du rosaire, ces choses que nous disons, que nous avons à savoir, que parfois nous disons machinalement, mais avec beaucoup plus d'attention. Comme lorsqu'on ouvre la Bible et que ce passage ne me dit rien, ou bien tout d'un coup me saute au visage et m'interroge. Et puis, dans cette lecture de la Bible, qui cherche-t-on ? Jésus. Jésus. Toute la Sainte Écriture converge, culmine, se rassemble dans le Verbe de Dieu fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout converge vers lui. Et lorsque, petit à petit, patiemment, humblement, je questionne le texte de la Sainte Écriture dans la foi, m'apparaît le visage du Seigneur. Lorsqu'humblement, patiemment, je questionne, je rumine, je redis les paroles du rosaire, petit à petit m'apparaît ce visage de Jésus. Vous voyez, dans l'un comme dans l'autre, il y a un cadre, un texte pour la lectio divina, des prières pour le rosaire. Il y a dans les deux cas un sujet priant qui ouvre son cœur, qui cherche Dieu. Il y a des matériaux qui sont à lire, à manier. Il y a des liens que notre intelligence fait dans la méditation, petit à petit. Comprendre ce que le texte veut dire. Entrer dans les mots de la prière que je dis en priant mon rosaire. Petit à petit, méditer et passer de l'écorce de la lettre pour entrer
dans la saveur du fruit qu'il contient. Et ce travail, c'est le travail de l'Esprit-Saint en nous. Lorsque je lis la Sainte Écriture et que mon cœur est touché, je m'arrête, je savoure, je goûte, je contemple. Je ne me presse pas de mettre la main dessus pour le tirer à moi. Et c'est plutôt mon cœur, mon âme, qui s'attache à ce que je crois et qui m'est révélé à cet instant. Lorsque nous prions notre rosaire, pas à pas, humblement, simplement, et que quelque chose de Jésus m'apparaît, m'est donné, je regarde, je savoure, je contemple, je laisse mon cœur se reposer. Et là encore, sans chercher à mettre la main dessus, à garder pour moi. Vous voyez, il y a une pédagogie de la prière. De la prière avec la Bible, avec l'Écriture, que nous livre très simplement la prière du rosaire et du chapelet. Elles sont nées toutes les deux dans le même milieu, dans le même terreau, et se répondent l'une à l'autre. Et je crois qu'il y a là pour chacun d'entre nous vraiment un chemin de foi, de vie. Pourrions poursuivre la comparaison sur un autre versant. À quoi ressemble la prière dans la Bible? La prière dans la Bible, on pourrait dire, à grands traits, qu'elle vient se ramasser, se concentrer dans le psautier, dans les psaumes, qui constituent la trame la plus profonde, la plus habituelle de l'office divin. Si vous n'avez jamais ouvert le psautier, vous êtes sans doute rendu compte que le psalmiste nous ressemble, je dirais terriblement, dramatiquement. Il passe de la tristesse et de la supplication à la joie et à l'exultation. Il est sans cesse en train d'osciller entre la supplication, la jubilation, les ombres, les lumières de la vie, les épreuves et la gloire. Et me direz-vous, eh bien, notre rosaire, que fait-il ? Sinon, nous apprendre à faire passer nos joies, nos lumières, nos peines et nos gloires dans celles de notre Seigneur Jésus-Christ. À tisser petit à petit le rosaire de nos vies. Découvrir que notre vie elle-même est mystère, pas à pas. Rencontre avec le rayonnement de grâce et de vie qui nous vient de notre Seigneur. Pas à pas, humblement, simplement, parfois dans la lumière, parfois dans la peine, mais petit à petit notre vie passe dans la sienne. Lorsque j'étais enfant, j'étais à la campagne, il y avait un curé, assez volumineux d'ailleurs dans mes souvenirs, physique, mais il avait aussi bonne part. Et puis, il avait une gouvernante. Une gouvernante qui était une femme extraordinaire, rayonnante, et qui participait activement à la pastorale de la paroisse. Et elle nous apprenait à dire le « Je vous salue Marie ». Elle nous disait « Quand tu arrives au maintenant, t'arrête. Et tu penses au maintenant de maintenant. Elle était géniale. Elle avait tout compris.
tout compris de ce compagnonnage de Marie, maintenant après maintenant. Elle avait tout compris du sens profond de la prière, qui est de faire passer la vie de Dieu dans notre vie pour que notre vie passe dans la sienne. Pour que chacun de nous maintenant soit habité de cette présence de Dieu et que moi-même j'habite en Dieu. La prière biblique, elle est aussi sans cesse adossée à ce que Dieu fait pour son peuple. Ce n'est pas une prière de concentration. Ce n'est pas une prière d'une technique spirituelle. Dieu agit pour son peuple. C'est la conviction fondamentale qui résonne tout au long de la Bible. Dieu est celui qui se révèle, qui se montre à son peuple, et non seulement avec des paroles, mais aussi par des actes. C'est la sortie d'Égypte, c'est le retour sur la terre d'Israël, et plus encore, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre chair. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire que le Père donne à son Fils, plein de grâce et de vérité. Dieu s'est fait l'un d'entre nous pour que nous puissions naître à la vie divine, pour que nous aussi nous soyons des vivants pour toujours, pour que nous aussi nous entrions derrière notre chef, le ressuscité Jésus victorieux, dans la Jérusalem céleste. Pour que nous aussi nous accueillions cet Esprit, recevez l'Esprit Saint, dit le Seigneur ressuscité. Il veut nous communiquer cette vie qu'il a en surabondance, il veut nous la donner. Que méditons-nous dans le rosaire? Ce point focal de toute l'histoire du salut, qui est Jésus, mort et ressuscité. Celui qui s'est fait l'un d'entre nous et qui veut nous communiquer l'Esprit Saint, la vie qu'il habite. Le rosaire, comme toute la prière biblique, est adossé, appuyé à l'action de Dieu. Il n'est pas question de technique, il n'est pas question de concentration, il n'est pas question d'entrer en soi-même, il est question de foi, de rencontre avec celui qui se révèle. Troisième point, qu'est-ce que cela peut ouvrir pour nous? D'abord, j'allais dire, et vous allez vous sentir libre, certains n'arrivent pas à prier avec le rosaire. Eh bien, tant mieux, qu'ils prient autrement. Il y a quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne, c'est que nous avons à découvrir, chacun, le chemin par lequel nous allons rencontrer Dieu. Et il n'y a pas, paraît-il, deux âmes qui se ressemblent à moitié. Donc il y a des chemins variés. Il y a un balisage, c'est clair. Mais après, je crois que chacun d'entre nous, nous avons à trouver la route par laquelle nous allons marcher vers le Seigneur. Saison où et de plus on va nous toucher d'une manière plus forte, plus vraie, tel événement, telle manière et d'autres. Voilà. Et c'est très bien. C'est la vie. L'humain, c'est compliqué. Je disais un jour une ergothérapeute que j'allais voir pour un de nos frères qui avait gros soucis, elle me dit, vous savez, l'humain, c'est compliqué. Je lui ai dit, chère madame, je crois que je vais graver ça sur la porte de mon couvent. Bien. Mais cet humain si compliqué, c'est cet humain-là que Dieu veut rencontrer.
C'est chacun d'entre nous, c'est toi qui m'écoutes ce soir, Dieu veut venir à ta rencontre. Et il y a un chemin à trouver. Le rosaire peut être ton chemin. Je crois qu'il nous aide très simplement d'abord à nous centrer, parce que nous touchons quelque chose. Nous avons notre chapelet dans la main, et tout simplement, lorsque notre esprit s'en va, peut-être pas le vôtre, mais le mien très souvent, eh bien, ah oui, j'étais en train de dire mon chapelet. Et puis, il m'aide à persévérer dans la prière. Allez, je vais dire encore une dizaine. Allez, je vais dire encore un ave quand même. C'est-à-dire que, humblement, simplement, Marie nous aide à entrer dans cette attitude des disciples qui priaient avec elle au Cénacle, demandant la réalisation de la parole de Jésus dans leur vie par le don de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est comme la Bible. La Bible, je la prends, je ne comprends peut-être pas ce que je suis en train de lire ce moment-là, bien mon cœur n'est pas là, mais il y a eu ce contact. Et puis un jour, tout d'un coup, la page va s'ouvrir dans des perspectives inattendues et nouvelles. Il en va de même de notre rosaire, très humblement. Vous l'avez compris, c'est une sorte de concentré de parole de Dieu. Il y a des moments où tout d'un coup, mon cœur va être touché, tout va s'illuminer, je vais écouter cette prière. Et l'autre moment où j'aurai humblement à continuer la route, simplement, dans une persévérance humble. Vous voyez, je crois que le rosaire, c'est comme la Bible. Parfois, des gens me disent, mais comment est-ce que je vais faire pour lire la Bible? Alors, est-ce qu'il faut que je mette une bougie? Est-ce qu'il faut que j'ai un endroit très calme? Il faut que j'ai ceci, que j'ai cela? Asseyez-vous, ouvrez le livre, ouvrez vos yeux, et lisez. C'est très simple. C'est très très simple. Eh bien, pour le rosaire, je crois que nous sommes invités à la même simplicité. À la même simplicité. Vous savez, si nous attendons d'être au point pour nous mettre à prier, nous ne prierons jamais. Eh bien, le rosaire, c'est la même chose. Je crois qu'il y a un moment, mais on s'y met tout simplement. Et on s'écoute dire le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et on y va, humblement, simplement. Vous voyez, petit à petit, il y a une pédagogie dans nos vies. Dieu vient frapper à la porte de notre cœur et nous dit, viens, viens avec moi, viens m'écouter, viens reposer ton cœur auprès de toi, auprès de moi. Ne te complique pas dans les affaires. Prends les choses d'une manière un petit peu brute, simple. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ce sont ceux qui font. Parole de Dieu. Faire humblement la parole. N'est-ce pas là le secret de Notre-Dame? Qu'il me soit fait selon ta parole. Que dit-elle aux serviteurs au jour des noces de Cana? Faites tout ce qu'il vous dira. Humblement, simplement ce qu'il y a à faire. Vous l'avez compris, le rosaire est une prière biblique. Biblique dans son contenu, mais biblique plus encore dans l'expérience qu'il veut nous faire faire de Dieu et qui ressemble si profondément à l'expérience que nous faisons de Dieu dans une lecture croyante et priante de la parole de Dieu. Le rosaire nous redit que la parole de Dieu, proclamée, crue, est au centre de la vie chrétienne, de la foi de l'Église, et que chacun d'entre nous, nous avons à donner réponse à cette parole. Il y a bien des manières par lesquelles elle nous parvient, bien des modes de l'entendre,
de laisser résonner cette parole dans nos vies. Et le rosaire est un de ces chemins. Si tu t'y sens appelé, mon frère, ma sœur, engage-toi sur ce chemin. C'est un chemin sûr d'une authentique prière biblique. Un chemin d'accès à la parole de Dieu, source de vie. C'est le chemin où tant de grands et de petits, de saints et de pécheurs, de riches et de pauvres ont trouvé une manière de rencontrer leur Dieu.